Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo où je vais vous expliquer la F1. Donc je vais vous expliquer le déroulement d'un week-end, quand il y a un grand prix, les différents pneus, la monoplace, les circuits, etc., les pilotes. Je vais vraiment vous parler de tout en globalité et si j'oublie des choses, dites-le-moi dans les commentaires ou si vous savez quelque chose en plus que j'ai pas dit, dites-le en commentaire. Et c'est parti. Donc voilà, comme d'habitude, j'ai des notes sur ma tablette parce que sinon j'oublie. Et comme ça, je suis organisée pour cette vidéo et let's go. Alors déjà, je vais vous parler d'un déroulement d'un week-end quand il y a un grand prix de F1. Donc en fait, c'est diffusé à la télé, par exemple Canal+. Après, je sais pas trop comment vous faites, mais voilà, c'est principalement sur Canal+. Et en fait, le jeudi, il y a tout ce qui est lié aux interviews avec les différents pilotes, donc ils sont par section et tout ça, où il y a plein d'interviews et tout ça. Ensuite, on a le vendredi où il y a des essais libres, donc il y en a deux. Et en fait, ça s'appelle le FP1 et FP2, donc c'est les Free Practice 1 et Free Practice 2. Et en fait, ça dure environ 1 heure, quelque chose comme ça. Et ça sert en fait à ce que les équipes, elles ajustent les voitures, test des configurations, des techniques, des stratégies et que les pilotes y connaissent le circuit. Ensuite, on a le samedi, donc sur certains grands prix, il peut y avoir ce qu'on appelle les sprints. C'est un nouveau concept en plus des grands prix qui est un peu mitigé actuellement parce que beaucoup de gens s'en fichent des sprints, ils veulent les grands prix généralement. Et les sprints, en fait, c'est quelque chose en plus dans le Grand Prix, donc je vais pas trop m'attarder là-dessus, mais voilà. Et aussi, donc, vous pouvez voir juste ici, voilà, quel circuit, quel Grand Prix, il y aura des sprints. Donc voilà, comme ça vous voyez. Et je vous montre aussi le calendrier de l'année prochaine, donc de la saison 2024, juste ici. Voilà, comme ça, vous savez. Et donc pendant le samedi, il y aura donc le troisième essai libre, donc la FP3, et les qualifs qui servent à établir la position de départ de chaque pilote pour la course prévue le dimanche, tout simplement. Et donc le but de chaque pilote est de faire un tour le plus rapide pour être bien placé au niveau de la grille. Et ensuite le dimanche, il y a la course, donc ça dépend, il y a des horaires, par exemple des fois le Grand Prix peut être à 7h du matin, 14h, 18h, 21h, ça peut être tellement différent au niveau des horaires, donc faut savoir. Donc je vous laisse le compte Instagram de la F1 et de F1 Canal+, qui vous donne en fait les horaires, etc. Donc un truc à savoir, c'est que avant la F1, il y a d'autres étapes à parvenir, donc en tout premier, on a le karting. Donc, les pilotes faisaient du karting très jeunes, 2 ans, 3 ans, 4 ans, jusqu'à 15 ans, un truc comme ça. Après, vous avez la F4, ensuite la F3, la F2 et ensuite la F1. Donc, il y a toutes ces étapes qu'il faut faire pour être dans la F1. Donc, maintenant, je vais vous parler d'un exemple de circuit. Donc, ça va être le circuit Sao Paulo, donc le Grand Prix du Brésil. Et donc je vais vous expliquer avec une photo du circuit comment c'est fait en fait un circuit, il y a quoi par exemple et tout ça. Je vais vous parler de ça maintenant. Donc en fait déjà ce que vous pouvez voir c'est qu'il y a trois secteurs qui existent. Donc en fait les trois secteurs ça sert en fait à faciliter l'analyse des temps de chaque pilote parce qu'il y a un temps et il y a aussi un meilleur temps pour un tour. Donc sur le Grand Prix, il existe différentes zones de DRS. En fait, le DRS, c'est comment on peut expliquer clairement? C'est en fait, vous voyez, l'aileron arrière, en fait, va s'ouvrir à un certain moment. Donc, en fait, pour avoir accès à ce DRS dans la zone, il faut être à moins d'une seconde du pilote devant, pour avoir accès en fait et pour pouvoir dépasser le pilote de devant. C'est l'objectif. Et donc en fait, l'aileron arrière va se lever pour
aller plus vite vers le pilote de devant pour pouvoir le dépasser soit en extérieur, soit en intérieur. Donc en fait, extérieur, ça va être, par exemple, je vous dis un petit exemple, ça c'est une voiture, ça c'est l'autre voiture, donc les monoplaces. Pour un dépassement extérieur, ça va se faire comme ceci. Et par exemple, là, il y a le virage, donc il fait comme ça. Sinon, si c'est un virage à... Non, si c'est un dépassement par l'intérieur, en fait, la voiture, elle va être ici et elle va passer comme ça. J'espère que c'est compréhensible, mais voilà. Donc en fait, on peut voir qu'il y a pas mal de virages dans un circuit comme celui-là de Sao Paulo. On peut voir honnêtement qu'il y a une quinzaine de virages, une quinzaine de points, honnêtement, de virages. Donc c'est énorme. Et en vrai, celui-là de Sao Paulo, il est quand même pas très compliqué au niveau pour les pilotes. Celui-là qui est plus compliqué, c'est à Monaco. Parce qu'à Monaco, c'est très restreint, c'est tout. Franchement, il n'y a pas de place pour faire des dépassements ou quoi, c'est très compliqué. Donc voilà. Donc maintenant, je vais vous parler de la monoplace en elle-même. Alors, je vais aussi vous parler de combien elle coûte environ une monoplace, etc. Les différents budgets. Et je vais vous parler ensuite du halo qui a été mis en disposition pour le niveau sécurité. Donc la chose à savoir, c'est que le coût de conception des monoplaces est entre 12 et 15 millions d'euros. Donc via le règlement financier de la FIA, qui est le big boss de la F1, donc chaque écurie dispose d'un budget de 153,8 millions de dollars pour une saison. Donc par exemple pour la saison 2023. Donc le montant, il a été en hausse à cause de l'inflation. Cependant, le budget ne concerne pas uniquement la conception des monoplaces, il doit également couvrir les dépenses de l'équipe. Donc par exemple, les ailerons avant et arrière, ils coûtent environ 200 000 euros. C'est énorme comme budget, honnêtement, j'ai jamais vu ça. Ensuite, le volant, c'est 50 000 euros. Ouais, après, ça dépend, les ailerons avant et arrière, ça peut être très cher. Le baquet, il coûte 40 000 euros. La boîte de vitesse, 200 000 euros. La carrosserie, 255 000 euros. Les disques de frein, 6 000 euros par jeu. Les étriers de frein, 9 000 euros l'unité. Le moteur, 250 000 euros. Ensuite, les pneus, 1 500 euros l'unité. Donc, il y a 4 pneus. Et vous les changez à plusieurs fois dans le même circuit pendant que vous faites le Grand Prix. Après, on a les jantes, c'est 4 000 euros l'unité, et les triangles de suspension, c'est 3 000 euros l'unité. Donc, faut avoir de la thune, hein. Je dis ça parce que franchement, tu casses un aileron, bah, t'es pas bien, hein. Donc ensuite, je vais vous parler du halo qui a été mis en place au niveau de la sécurité des pilotes. Parce que un truc à savoir, c'est que avant 2018, etc., il n'y avait pas de halo, donc le fait est qu'il y a eu beaucoup d'accidents mortels pour pas mal de pilotes. Donc voilà. Donc le halo, ça ressemble à ça en fait. Donc vous pouvez voir un schéma juste ici, où en fait on vous explique la composition. Donc c'est fait de titane et c'est recouvert de fibres de carbone. Ensuite, l'épaisseur, voilà, ça peut, c'est de 20 mm du pilier central. Ensuite, le poids, c'est 7 kg, le halo. Et ça peut résister jusqu'à 12 tonnes. Donc voilà, là, vous avez la vue de dessus, la vue de face. Et donc, le halo sert en fait à protéger la tête et le cou des pilotes face aux débris volants, mais ne protège pas des petits fragments qui peuvent quand même passer dans le halo. Voilà, je vais vous montrer juste quelques photos qui vous montrent que le halo a sauvé sur pas mal d'actions qu'il y a eu dans des grands prix. Donc voilà, vous pouvez voir heureusement qu'il y avait le halo. Maintenant, je vais vous parler des différents pneus qui existent pour la F1. Donc voilà, donc vous pouvez voir sur cette photo qu'il y a pas mal. Il y a du super hard, il y a du hard, du medium, du soft, du super soft, du ultra soft et du hyper soft.
Donc après, il y a aussi d'autres pneus par rapport à la pluie. Voilà, c'est aussi d'autres pneus qui existent. Mais les trois qui sont utilisés tout le temps, c'est le hard, medium et soft. Et surtout, c'est beaucoup utilisé le medium et le hard parce que le soft peut vite ne pas durer pendant plusieurs tours. Parce que un truc à savoir, c'est que tour d'un Grand Prix, ça peut aller, c'est très long, ça peut être 50 tours à même plus. Donc c'est faut gérer les pneus et je vous dis pas le bordel que c'est. Donc maintenant je vais vous parler de 6 GOAT de la F1. Donc j'ai pris 6 exemples de pilotes qui me parlaient le mieux et qui parleraient d'autres personnes aussi parce qu'ils sont quand même assez connus. Donc voilà. Donc le premier pilote c'est Ayrton Senna, né en 1960 et décédé en 1994. Il a été 3 fois champion du monde et il a gagné 41 grands prix. Ensuite, on a Michael Schumacher, né le 3 janvier 1969. Il a été 7 fois champion du monde et a gagné 91 grands prix. Ensuite, on a Lewis Hamilton, né le 7 janvier 1985. Il est 7 fois champion du monde et a gagné 103 grands prix, qui est le record actuel. Ensuite, on a Fernando Alonso, né le 29 juillet 1981, a été 3 fois champion du monde et a gagné 32 grands prix. Ensuite, on a Sébastien Vettel, né le 3 juillet 1987, a été 4 fois champion du monde et a gagné 53 grands prix. Et ensuite, à la fin, on a Max Verstappen, né le 30 septembre 1997, a été 3 fois champion du monde et a gagné 51 grands prix actuellement. Donc là, je vais vous faire une petite parenthèse de mes pilotes favoris que j'adore. Donc en premier, on a Hamilton, voilà, qui est pilote chez Mercedes. Moi, je l'adore. Ensuite, on a Leclerc chez Ferrari. Ensuite, on a Gasly chez Alpine. Ensuite, on a Ricciardo chez AlphaTauri. Alonso chez Aston Martin. Et Norris chez McLaren. Donc voilà, ça, cela, c'est mes 6 chouchous, honnêtement. Alors maintenant, je vais vous parler qu'il existe des points à gagner par les écuries et par les pilotes à chaque Grand Prix. Donc en fait, pour chaque course, ce sont 10 pilotes qui inscrivent des points à l'arrivée. Donc 25 pour le premier à 1 pour le dixième. Notez qu'un point est également attribué au pilote qui réussit à signer le meilleur tour en piste. Donc en fait, les points, c'est hyper important pour être bien classé. Au niveau du meilleur pilote, meilleure écurie, etc. C'est très important pour toutes les écuries et pour tous les pilotes. Donc je vais vous donner les noms des boss pour chaque écurie. Donc un truc à savoir, que je répète encore une fois, c'est que la FIA, c'est les big boss. Et en tout, on a les boss pour chaque écurie. Donc, chez Ferrari, on a Frédéric Vasseur. Chez Mercedes, on a Toto Wolff. Chez Alpine, on a Otmar Szafnauer, je ne sais pas si on prononce comme ça. Chez Aston Martin, on a Mike Krack. Chez Red Bull, on a Christian Horner. Chez AlphaTauri, on a Franz Tost. Chez Williams, on a James Vowles. Je ne sais pas si on prononce comme ça. Vowles. Chez Haas, on a Günther Steiner. Ensuite, chez Alfa Romeo, on a Andrea Seid et Alessandro Alunni. Chez McLaren, on a Zak Brown et Andrea Stella. Donc voilà, aussi un truc, je vais vous montrer voilà, les pilotes actuels qui sont en F1. Donc voilà, vous pouvez voir qui avec qui est coéquipier avec qui. Un truc à savoir, c'est qu'il y a des contrats et que la plupart des pilotes de F1, leur contrat s'achève l'année prochaine, mais ils peuvent bien sûr re-signer un contrat avec ça ou aller dans une autre écurie par exemple. C'est ce qui peut arriver, ce qui arrive plusieurs fois. Donc je vais vous parler des prix que les pilotes, les écuries peuvent gagner. Donc pour les pilotes, on a champion du monde. Voilà, si le pilote est premier dans presque toutes les courses, il peut avoir accès à être champion du monde. Ensuite, pour les écuries, il y a le meilleur constructeur, qui est très important. Par exemple, au dernier Grand Prix, c'était Abu Dhabi. Si je ne me trompe pas, ils étaient très focus sur être le meilleur constructeur que être bien placé ou faire une bonne course. Ils étaient
très focus sur ça pour gagner des points, pour être au-dessus de chaque écurie, etc. Et ensuite, on a la cérémonie de remise des prix de la FIA. Donc, c'est un peu les Oscars, mais de la F1. Voilà. Qui a eu lieu il y a, je crois, quelques jours. Quelque chose comme ça. Et qui est toujours en fin de saison. Donc, un truc à savoir, c'est qu'à chaque fin de saison, il y a 3 mois de pause. Donc, on va attendre jusqu'à fin février pour avoir un nouveau Grand Prix. C'est très très long, honnêtement. Mais bon, voilà, on essaie de s'occuper comme on peut. Et voilà. Alors, deux derniers points que je vais parler, qui est important, je trouve, à mentionner quand même pour, par rapport à la F1. Donc, c'est que c'est un sport très physique et dangereux. Donc, je peux vous montrer que c'est physique. Donc, vous allez voir des photos, des exercices qu'ils font. Voilà. On ne plaisante pas parce qu'en fait, quand ils tournent le volant, en fait, ils se prennent des jets dans la gueule. Ils se prennent des jets, donc ils doivent être prêts physiquement au niveau du cou, tout, honnêtement. Ils doivent être prêts physiquement à avoir le choc des jets, honnêtement. Et aussi, je vais vous dire un dernier point qui est, je trouve, très important. Comme je l'ai dit, la F1, c'est dangereux. Voilà, et pour vous dire que bah, c'est un sport dangereux et qu'il y a des pilotes qui sont décédés. Voilà, il y a, je dirais, j'ai cherché environ, il y a 46 pilotes décédés pendant les courses. Voilà, c'est énorme. Par exemple, à la F1, je crois que le dernier pilote qui est décédé, c'était en 2014, un truc comme ça. C'était le pilote Jules Bianchi. Et il s'est pris, je sais plus qu'est-ce qu'il a, il a foncé sur, je sais plus quoi, quel truc, mais il a foncé sur un truc et il est décédé. Après, suite à ses blessures, il est décédé, il était dans le coma si je me souviens bien. Il était dans le coma et est décédé de ses blessures. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner et à mettre la cloche de notification, à dire en commentaire. Si j'oubliais des choses, donner ton avis, etc., ça me ferait hyper plaisir. Et je lui dis, bye bye!